Challenge accepted. Et bien salut à tous et à toutes, c'est PsychoTwin, aujourd'hui on se retrouve comme vous pouvez le voir pour le défi numéro 6. L'autre blaireau à côté, il est en train de dire exactement ce que je dis mais sans la voix quoi. Non, je fais les mouvements de tête, tu vois, c'est parce qu'on rassemblerait ça. Il fait rire l'enfoiré. Donc pour le défi numéro 6 sur Monster... Arrête. Sur Monster Hunter 3. Sur Monster Hunter 3, donc comme vous avez pu le voir, le défi, oui, bon, il a été un petit peu long mais vous mettez sur pause. Je pense que vous l'avez compris. Donc j'ai l'armure Baryote Plus, hein, j'ai, enfin, tout comme il a dit le monsieur. J'ai, voilà, donc je ne triche pas, hein, j'ai franchement le strict nécessaire. Voilà, et j'ai même pris qu'une méga potion hein, pour le truc. Alors, max. Ouais, qu'une méga potion. Non, quand même. Hein. Et oui, pour ta question, nous avons les testicules nécessaires. Les testicules. Bon, et ouais, vous allez me dire, ouais, ça va être facile. Bah, je vous garantis que c'est pas facile. Franchement, deux Baryotes. Oh, attends, je veux voir si j'ai un truc. Ouais, c'est bon, j'ai les bombes de bouse. Tu as prévu large. Non, si était déjà. J'ai une merde. Le pire, c'est que je l'ai déjà faite cette quête en plus. Hein. Et c'est parti, bande de biatch. J'espère que vous êtes bien accrochés et que Popol est en place parce que vous allez bander. Enfin, j'espère. Le défi n'est pas fini. Hein. C'est juste de commencer. Ça ne fait que commencer. De toute façon, ouais, non. J'avais un non, truc. Oui, non, oui, peut-être. Non, franchement, non. Le suspense est à son comble. Non. En tout cas, voilà. C'est parti. Non, j'allais fouiller dans la mauvaise caisse. Non. Si, je peux. Ah bah peux. Non, ah bah si. Si, je peux, c'est dans la tête. Marqueur. Oui, marqueur. Oui, je vais les prendre, les marqueurs. Que j'ai un putain de problème avec ces marqueurs. Non, je ne prendrai pas de nettoyant. C'est pour les faibles, de toute façon. Allez, hop. Oh bah, j'ai même pas besoin de breuvage chaud, je suis en train de penser. Ah bah oui. Ouais, like a boss. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous plaira. Donc pour ceux franchement qui connaissent la quête, c'est vraiment un défi en lui-même, même si avec le stuff que j'ai, c'est réellement un défi. Plus bas, c'est vraiment un suicidaire. Après, c'est chacun qui voit comment il fait la chose. Mais moi... À mon avis, un sadomaso pourrait trouver son plaisir. Hein, je pense. On va pas rentrer dans ces détails glauques. Si, je veux. J'en ai décidé ainsi. Non mais il y a des enfants qui nous écoutent, tu vois, c'est mal. Oh les enfants, tout de suite. Faut un peu leur apprendre ce que c'est la vie, merde. Oui, mais pas maintenant. Et puis surtout pas en nous regardant, nous. Non, ça serait trop violent, ça serait un choc pour eux. Ils ne comprendraient pas, ils ne sauraient pas que des choses sont possibles. Oh putain, des choses telles pourraient exister dans l'humanité. Bon, je vais même pas y aller parce qu'ils vont gueuler, c'est comme des putois. Ninja. Presque synchro, les gars, c'est con. Ninja. Et là je vais les brain. Ah, par contre Chacha nous a buff en attaque. C'est comme ça. Ouh. Et de deux. Eh bah non. Ouais. Toi, fuis. Voilà. Il est où l'autre? Très bonne question. Ah, il s'est barré. T'es sérieux? Mais va te faire mettre. Je suis sûr qu'ils vont aller dans la même zone en plus, tu paries? Allez. C'est tout calculé pour. Franchement, je suis sûr qu'ils ont tout calculé pour pas que je réussisse ce défi. Let's have a roll. Tout est prévu. Oh bah non. Oui, mais attends, l'autre qui est pas encore arrivé. Oh là, putain, tu prends cher. Oh, ça va, hein, franchement. C'est une de ses meilleures attaques. Ouais, il est pas énervé, hein. Oui, bah. Moi je dis ça va être dur. Bah normal. Moi, j'ai fait un Baryote avec Baryote Plus et un peu d'Escadora. Et de Vanguis d'ailleurs, c'était un mélange totalement. Ah oui, mais c'était moche. Mais même moi j'ai pas réussi à faire un mix aussi moche. Merde, j'ai oublié de sauter. C'était horrible quoi, vous mélangez la Baryote à la Vanguis et à la l'Alatréon. C'est horrible. Escadora, s'il te plaît. Oui bah là c'est l'Alatréon quoi. Tu fais pas chier. Il faut des trucs à l'Alatréon pour la faire. Faut que je lui pète une aile comme ça il pourra pas me charger quand il fera son espèce de saut latéral. Ouais. Ça sera dans le guide du Hunter. Spoil. Spoil. Non. Mais si, en fait. Tu divagues complètement. Si, en fait, dans le clip, si. Boys. Tout le monde sait ça. Mais c'est fini notre premier porno. Ne cachez pas, on l'a tous fait. Enfin, dis-moi, regardez. Oh le blanc! Je suis concentré moi, vas-y, complète le commentaire, il fait pas chier là. Alors on va faire des blagues. Hein. Parce que c'est toujours marrant les blagues, c'est bien les blagues. Est-ce que vous voulez être mon ami?
s'il vous plaît. Wow, Chacha a fait quelque chose, voilà. On remarquera qu'il s'est pas visé le baryote. Hein. Ou voilà. Alors qu'il a un peu con. Non mais je l'ai toujours dit sur Monster Hunter 3, les monstres sont cons tout autant que les chasseurs. Et Mick, ah il m'a soigné le Chacha. Ouais mais... Oui bon le Chacha aussi est con. Là. Tout le monde est con. Tout le monde est con dans le jeu. Sauf moi. Non. Tu ne fais pas exception à la règle. Si si, je suis l'exception à la règle. Oh merde. Tiens l'exception à la règle, elle a pris. Elle a pris cher. Y a pas son pote encore, t'as de la chance, et là pour l'instant il y en a qu'un. Ouais bah tant mieux hein. J'esquive ou quoi? Pour aller si vite. Aïe, j'aurais dû le voir venir. On a vu sa petite culotte. Allez. Bah ouais normal. Non, allez vous faire mettre. Oui, la logique de ce jeu m'étonnera toujours. Ça a beau être celle où tu résistes au froid, c'est celle où t'es la plus dénudée. Hein, oh un jour. Et celle où tu résistes au chaud, bah c'est la plus chaude. Voilà, c'est. Faudra l'expliquer un jour. À la limite, tu vas à poil, t'as la résistance au chaud, hein, je sais pas, techniquement. Oh, sous l'aile. Oh, are you mad, bro? Je l'ai brain. Tu as tellement fait un dodge. Non, là, attends, on part dans un autre langage, là, je crois. C'est un langage que je connais à peine. Yes. You can. Non, c'est pas ça? Va te coucher quoi. C'est ça. Si si. Non, c'est pas ça. Tu as tort. Si si, je te dis que c'est ça. Ah bah non. Ah y'a l'autre con qui est revenu. Vous avez vu ça comme je fais des analyses pertinentes. Mais putain t'es un génie. Comme quoi ça ne peut pas arriver à tout le monde hein. Regarde toi. Oh c'était beau, ça. Ça c'était beau ça. Vas-y viens. Viens là ma cochonne, on va faire des trucs sadomaso. Et tiens. Voilà, c'est de ça que je parlais. Tiens, il a failli te mettre une bite d'ailleurs. Ah, essaye encore. Try again. Putain, y'a pas une aile qui veut se péter là. Si, mais y'en a une qui est pétée. Non, on a pas pété l'aile. Si, si. Ah si, ouais, j'ai pas vu. Oh mais putain. Ah oui, c'est quand tu l'as... Ouais, quand tu l'as couché. Ouais, voilà, exactement. Couché le tout. Exactement. Ah, c'est la bitch. Il est fatigué là. Ouais, je crois aussi. Ah vous voyez, ce sera dans le milieu là quand il est fatigué, profitez-en. Même dès qu'il a fini une attaque, profitez-en quoi. Dans ta gueule. Là c'est le premier cran avant que ses dents là. Ah, j'ai cru qu'il allait cracher une merde. Mais le combo de touche n'a pas marché. Ce qui est bizarre d'ailleurs. T'as évité le crochet avec chien, par contre celui-là tu as pas évité. Non. Ouais, tu peux toujours essayer. Bah, ce sera dans le guide du Hunter. Si t'es devant, tu te chopes hein, le truc. Ouais, mais c'est bon. Oh, ah, dommage. Je l'ai pas mis. Ça a été beau. Je l'ai même pas mis. Je veux tes dents, je veux te casser la bouche. Bad boy. Bad boy, prends-moi, bad boy. Wouh, c'était chaud. Tu permets. Non, ne fuis point, mon ami, je t'aime. Prends-moi. Va pas vers ton pote. Si, si, ça fera plus de challenge. C'est bien, Chacha. Je suis bien élevé, salope. On peut voir sa petite culotte quand tu fais une roulade. Ah oui. Cette pause au bon moment. Il n'y aura pas de ralenti là-dessus. Une grosse sadique, tu sais. Non, pervers, nuance. Bah non, si je fais pas de ralenti, je suis pas pervers. Ouais, t'es sadique aussi. Ah oui, les yeux bleus. Isabelle. Elle a les yeux bleus. Les yeux bleus. Isabelle. Ouais, on va avoir des copyrights. Ferme ta gueule. Ouais, d'accord. Ouais. Répète ce que tu viens de dire. Non. Wow. Oh, allez, tiens, concentre-toi sur le jeu. Je m'en souvenais pas de ça, tu vois. Lui, par contre, il s'en souvenait, lui. Ah bah oui, hein, ça paraît logique. La lame en rouge, en plus, dans le noir, c'était stylé. Ouais. Ah, c'est pas drôle. Et quand je dis ça. Waouh. Ouh. Le terme faire du vent, n'est-ce pas? Hollywood chewing gum. Là, il est vénère. C'est trop ça, quoi. Lui, il a mangé. En fait, comment est né le souffle du baroque? Bah, il a mangé trop de. De Hollywood chewing gum. C'est ça. Non, non. Attendez, on a brisé un mythe là, je crois. Oh putain, ça se fait pas. Désolé, les gens. Je prends pas en ces fichus. Les monstres sont cons. Les monstres sont cons.
permets? J'ai dit tu permets. Voilà. Oh, là, je te permets. Ah oui. Par contre, il aurait fallu prendre un homme. Ça aurait été plus logique. Oh, ça m'est déjà arrivé d'avoir un gigi au niveau de mes couilles en étant un homme. Quelle expérience. Ça va, tu t'en remettras. Non, mais je leur raconte des anecdotes, si ça passe le temps, quoi. Parce que là, la quête, elle est pas finie encore. Il m'en reste un deuxième, là. Il y a même pas la moitié. Je sais pas où il est, il se touche. Il va être en zone 2. Et franchement, the défi of the world, là. On va avoir un défi fail un jour, ouais. Enfin, pas pour nous, mais... Oui, pas nous, mais... On va faire un Alatréon à la petite épée du début. Ouais, voilà. Ouais, ça, c'est un bon truc, ça. Je suis sûr que même s'il bougerait pas, tu pourrais pas le tuer. Ouais. Autant imparti, quoi. Autant de ta chance. On va essayer s'il y a un code qui existe de pas faire bouger l'Alatréon, un code cheat. Et t'essayes, tu le maraves au petit couteau de chasseur de merde là. Oh, l'esquive plus 1 là, tu le sens. Il y a des codes qui. Alors, pour ceux qui croient qu'on peut faire un Céadus en multijoueur, non. Si on peut. Si on peut, mais faut avoir il faut un code cheat. Et je ne l'ai pas. Et je ne le veux pas d'ailleurs. Et on ne l'aura pas d'ailleurs. Donc, ça oh oui Biatch, Billy, reviens. Je vais te niquer la queue. Oui. Ça devient sec. Ouais, ça devient sec. Bon, zone 6, vite. Ça je le sais par cœur, par contre il va aller pioncer. Je vais en profiter pour aiguiser, tiens. Ça fera pas de mal. Ah, bonne idée, très cher. Oui. Bon, c'est que la moitié, on est à 12 minutes. Oh bah ça va, je pensais que j'ai déjà 20 minutes moi. C'est bon. Je suis large, c'est bien, Chacha, je t'ai bien élevé. À force de te mettre des coups de latte, ça paye. Ouais, je sais, t'inquiète. À force de te mettre des coups de latte, ça paye. T'inquiète. Je vais passer en mode ninja. Ouais, tiens, c'est. Ninja. On peut voir sa petite culotte, non? Sauf qu'il m'en donne 7 là. Tu te fous de ma gueule? Mais d'habitude il veut. Ah, t'es niqué! Allez, l'expert là tout de suite. Mais normalement, dès qu'il boite, il va en zone 6 pour pioncer. Je suis désolé. Apparemment, non, c'est parce qu'il est énervé là, je pense. Ah ouais, peut-être. Ouais. Pas deux fois. C'est le Jaggy qui a pris. Le Baggy, pardon. Baggy, tu permets? J'ai dit, tu permets. Ah, l'attaque encore une fois. Eh oui, tu peux pas charger parce que t'as une LPT. Les deux, mais. Ouais, ça sera dans le guide du Hunter. Hein. Parce que normalement, quand il se décale comme ça, vous savez, quand tu fais un grand décalage que tu sais pas comment il a fait, merde, que tu sais pas comment il a fait, et ben normalement, s'il a pas d'LPT, il fait une charge. Mais quand il a une LPT, il en fait pas. Allez, libère-toi, bordel! Ça aussi, ce sera dans le guide du Hunter. Voilà, il faut tourner sa main sous joystick. En fait, on a pas besoin d'en faire un sur le bariot. Hein. Voilà, tout est là. Je crois que je vais me servir des clips de celui-là pour avoir les attaques. Feignasse, pardon. Bah, je vois, écoute, ça me fait du boulot en moins. Recyclage. Bah, attends, non, je déconne, je ferai un truc sérieux quand même. Ah, il me tape les dents. Là. C'est bien, Chacha. Allez, tiens. Sinon, j'allais m'en manger une belle là. Ah, tiens, le retour. Bah, ça aussi, ce sera dans le guide du Hunter. Putain, je suis en train de m'imaginer que le guide du Hunter il va être super long sur ce barrière. Bah forcément plus on va avancer, plus ça va être. Ouais, parce que plus ils sont compliqués, plus ils ont le truc, plus d'astuces, plus là. Là il va en zone 6. Et là le marqueur qui s'enlève. Ah, oui en plus. Tu vois, c'est toujours comme ça de toute façon. De toute façon, les hunters me comprendront. Les vrais hunters, ceux qui en ont une vraie paire. Qui ont des petites culottes. Oui, attends, merde. C'est pas ce que je voulais faire. Ninja, ne bouge pas. Chacha, fais pas le con. Fais pas le con, Chacha. Ah merde, il m'a vu. Non, il m'a pas vu. Ninja. Ninja, ne pas bouger. Sera dans le kit du Hunter. Chut. Reste terre. Regardons un peu la reproduction. Regardons, nous pouvons observer une magnifique reproduction du Bariot. Seul, franchement, non, une masturbation du Bariot, c'est un phénomène exceptionnel, très peu regardé dans la nature. C'est vraiment exceptionnel ce qu'on peut voir aujourd'hui. C'est pas tous les jours qu'on voit ça, Philippe. Ah, voilà. Alors, nous pouvons voir, nous pouvons.
pouvons observer le pénis du baryote. Qui est assez imposant, ma foi. Qui est très très imposant quand même. Hein. Ça doit pas être pratique tous les jours. Avec des petites épines sur les côtés, ça doit frotter. Ça sert de défense aussi. Hein. Ça sert vraiment de défense. C'est vraiment exceptionnel ce qu'on peut voir ici, Philippe. Aussi, il y a une approche, qu'on puisse l'approcher comme ça sans qu'il ne réagisse pas. Fais voir si on fait ça. Ah, déjà ? Il est mort là. Je crois, ouais. Ouais, il est mort. Allez, next, enchaîne, on a pas besoin de matériaux. Waouh ! Il lui manquait vraiment pas grand chose. Ça m'est déjà arrivé de tuer un mec, enfin un monstre qui était parti en une zone, quoi. One shot. Bah, tu dégaines l'épée, bim ! Voilà. Ça nous est déjà arrivé de plein de fois, de toute façon. Donc, ce sont les petites anecdotes, j'ai envie de te dire. C'est les anecdotes de Psycho ! Ah bah, tu vois. Hello. Hello, bitches. What's up, bro? Do you want a cord? A coke. What Coca-Cola, a... Coca-Cola. Hein, Coca-Cola. Et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, hein. Ah, Chacha a fait quelque chose. Mais putain, pas lui. Il ne dira jamais à SM et Chacha. Putain. Mais il est pratique. Toi aussi, d'ailleurs. Non, c'est la manette qui a bugué. Ouais, c'est... Le joystick, il veut pas. Ah, tu vois, c'est le joystick qui veut pas se tourner. Faut que je lui pète une aile. Depuis le début du défi, je suis en train de m'avachir sur ma chaise, je vais tomber à un moment. Et du coup, on t'entend de moins en moins parce que tu t'éloignes de plus en plus du micro. Bien, Chacha. En tant que bouclier humain, t'as pas mieux. Alors, recommandé chez Potilu. Quoi? Eh merde. Attends, recommandé chez Petit Lu. Je sais pas pourquoi, parce que en fait y en a un, il a dit ça m'a fait penser à ma petite ville de Nantes, ouais. Donc quand j'ai dit Petit Lu l'autre fois. Donc bah ça fait plaisir. Oh Brain, t'as rien compris. Je t'ai niqué. Je t'ai tellement niqué, pardon. Oh le Hagan. Ah Brain, là c'est lui qui m'a Brain. Parfois, faut se la jouer agressif, hein. Faut aller au contact pour éviter une attaque. Oh, ça va passer dans le conseil du jour, ça. Ça me donne des idées en même temps. C'est pratique, quand même. Allez. 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 Ah, merde. Merde. Sur le côté là. Ah, j'aime ça. Déjà ? Ah, j'avais bien envie de lui donner un petit coup là. Non, 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 oh putain ! Une box de merde ! Faut que je lui pète une aile. Voilà, biatch ! Bon, là, t'es en train d'un peu bouffer ta race quand même. Ah, manger une race, je savais pas, ça a quel goût? Ouais, alors, j'ai envie de débattre, voilà, je suis un mec comme ça. Ouais, mais... comme ça, tu me l'as même pas prévenu en plus. Ah ouais, non, oh, regarde, il va pas me toucher. Tu vois, tu caches. T'es un mec comme ça, toi. Ah, d'un coup, tu vois. Ouais, ouais. Vous connaissez sûrement l'insulte de nique ta race. Or, quand un humain dit ça à un autre humain, techniquement, imaginez un mec qui vous dit nique ta race. Et techniquement, tu fais partie de la race humaine, connard, donc t'es obligé de niquer toute la race humaine. C'est bien quand même. Fuck la logique. Je ne sais pas d'où vient cette expression, mais genre. Wopla. Genre, nique ta race, bah nique l'humanité quoi. Voilà, eh bah la fin du monde. Mais voilà, c'était tout prêt. Merde. C'est pas permettra de me soigner, tiens. Chacha a fait quelque chose. Tu veux pas aiguiser pendant ce temps? Ouais, si t'as raison. C'est bien. Et là, tu vois, comme Chacha, comme ce gros con, il va me soigner. Avec sa danse de merde là. Ah, non, armure. Pouh, c'est pas évident quand même. Allez, c'est reparti. Coucou. Tu veux voir ma bite? Enfin non, alors en l'occurrence c'est pas une bite, mais bon. On fera avec. C'est un trans. Vous ne le saviez pas. Vous ne le saviez pas, mais moi non plus. Moi non plus. Je me dis, c'était quoi cette boss dans sa culotte? Cochon. Tu me caches des trucs. Ça va plus le faire entre nous. Le plus de possible. Oh Brain. C'était quoi ce Maxime Brick plutôt, ouais. Non, c'est de l'expérience, ça, tu peux pas test. Olé. Olé. Oh ma patate, viens là, sale rap. Je lui pète une aile, bordel.
Ah putain, il fait toujours la même chose, quoi. Chaque fois, il me raine. Je le sais en plus. C'est ça le pire, pourquoi tu l'expliques pas. Parce qu'il va trop loin, je pourrais pas le taper. Les chips, voilà. Tu le ramènes, tu le grabes, blitz, viens là. Ah non, merde. Bah, je le savais. Je vais pas y arriver. Olé. T'as rien vu. T'as pas compris ce qui t'est arrivé. Non, ça manquait de... Non, non, c'est dans la tête. Dans la tête, non, c'est dans la tête. Je t'assure, hein, tu commences vraiment à manquer d'endurance. Là, c'est mort. Putain, mais oh. J'ai pas cassé, c'était là. Putain. Mais oh. C'est pas un problème de dégâts, hein. C'est le punaise et l'enfesse. Ça, ouais, l'enfesse, t'as. Ah, il est fatigué. Ah, putain, ouais. T'es sérieux. On remarque qu'il restera plus longtemps couché. Ouais, ah, ouais, ouais, ouais. Ouais, tiens, regarde, il restera plus longtemps couché. Ouais, bah, il est... Ah merde, je croyais qu'il allait gueuler. Ouais. Olé. 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 Ça le fait tout de suite moi quand même. Non. Oh merde. Tant pis. Reviens là, salope. Je vais te faire du mal. Oui, je vais te faire du mal. Oh, ça fera un long épisode quand même, hein. Un long défi. Je pense que ça va être le plus long quand même de celui qu'on a fait jusqu'à maintenant. Merde, zone 2, fuck. Fuck you, man. Bro. Zone 1 même, ah non, zone 2. Bon, il m'a dit que je pouvais prendre un steak à point, mais deux rations, c'est égal à un steak à point. Donc voilà. Donc je n'en prendrai pas plus. Non, mais c'est bon, là. Calme. Merde. On n'a pas élevé les poulpes ensemble, hein. On n'a pas élevé les pangolins ensemble, à ce que je sache. Merde. Ah, vas-y, vas-y. L'attaque. Vas-y, attaque, attaque. L'attaque ultime. Attaque. Qui ne peut jamais se prendre. Attaque. Attaque le chien. Mais attaque, putain. Putain, elle le fait même pas. D'habitude, il fait son tourbilol. Je sais pas trop. Brain. Oh, double brain. Tout prévu, là. Je lui casse les ailes. Je lui casse la gueule, la regret. Je lui casse la gueule. Putain, je le sais en plus. Voilà. Je lui casse la bouche. Et bim! Allez! Là, tu bien la trompe! Bien sec là, tu vois! Bien crasse, ça tâche bien là! Tiens, ça tâche là, putain! Bim! Dans ta gueule! J'en étais sûr, je sais pas pourquoi que j'allais me péter les dents! Dommage! On sait jamais, au cas où il aura une faiblesse! Ouais, mais ça m'arrive! Hein. Ouais. Ça m'est déjà arrivé! Hein. Oh le Jaggy, Baggy pardon, prends ça dans ta gueule. C'était cadeau. Ouais, j'aime ça, j'aime. Ça aurait été beau là. Putain. Là, ça aurait été je me le suis dit en plus, est-ce que ça va marcher? Oh, là il prend cher. Ça prend bien plus cher quand même que l'autre. Ouais. J'ai pris le coup de main. Ouais, c'était l'échauffement. Ouais. Oh, t'aurais fait le coup, je pense que t'aurais fini aussi. Allez, ouais, je lui coupe pas la queue, hein, fais chier. Pas que ça à foutre. En tout cas, elle est super difficile à focus, la queue, tout le temps. Ah oui, au sujet des speedruns, y'en a qui m'en ont demandé, non. Voilà, parce que je suis très nul en speedrun, vraiment. Bon, sauf pour faire un grand Jaggy en 52 secondes, mais bon, ça tout le monde l'a fait. Donc, franchement, non, les speedruns, non. Voilà, non seulement je suis pas réellement équipé pour, mais en plus, je sais pas faire. Puis j'ai pas envie d'apprendre. Putain, mais si vous allez voir des speedrun, speed game des chroniques de jeuxvideo.com, c'est... Ah ouais, oh putain, ah les mecs, mais... Oh, le speedrun de Portal 1, mon gars. Non, en fait, ce qui m'a le plus impressionné, c'est le speedrun de Zelda Ocarina of Time, hein, pour ceux qui l'ont joué. 19 minutes, le mec. En 19 minutes, il finit le jeu. Comment il fait? Bah, il passe du premier donjon à la tour de Ganondorf. Et Ganon meurt, bien sûr. Et il est tout petit alors qu'il devrait être grand normalement. Bref, je vous invite à aller voir, c'est super impressionnant. Ouais, c'est impressionnant, franchement, les mecs. Ouais, franchement, les mecs comme ça, ils sont balèzes. Enfin, bref. Voilà, ouais, voilà, ça c'était. Ça, faut surtout pas se le prendre, hein. Ça sera dans le ça fait bobo, ça. That's Brain. Oh, That's Brain.
J'aurais pensé qu'il me le mettrait celui-là, tu vois. Ouais, moi aussi. L'évaluation de ma distance. J'avais pas le compas dans l'œil. Et là, je vois trop en fait l'image d'un mec qui se fout le compas, mais réellement dans l'œil, tu vois. Prends l'expression au premier degré. Oh merde, ça m'a touché, sérieux. Oh, des fois, ça me fait trop kiffer, tu vois. Cette expression, elle est bizarre, franchement. Elle est véridique, hein, mais. Ah bah. Bon bah, voilà. Ah, lui, il était plus. Ouais, tu l'as bim fait 5 minutes, et tu l'as fait un peu près en moins de 10 minutes. M délice. Oh, 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 oh. Fouille-le, viens. Pas chier. Voilà. C'est fait. Donc, bah écoutez les gens, hein, j'étais dans mon truc là. Nous avons eu les testiboules nécessaires. J'ai eu les testiboules nécessaires. Bon, c'était pas trop trop dur, mais un équipement en dessous, j'y serais pas arrivé. Sincèrement, j'y serais pas arrivé. Donc bah écoutez, merci à celui qui a proposé le défi. D'ailleurs c'est un abonné très fidèle et je le remercie tout le temps de mettre des commentaires sur n'importe quelle de nos vidéos. Donc un grand merci à toi, puis à tous nos autres abonnés d'ailleurs. J'ai parlé un petit peu avec lui sur Skype en plus. Ouais, c'était une exception hein, qui confirme la règle parce que franchement il nous suit beaucoup. Mais je sais pas si je vais créer un Skype spécial abonné. Je sais pas, qu'est-ce que vous en dites. Je pense que ça ferait pas mal de boulot, mais je sais pas. Pendant les vacances ou de temps en temps, quand j'ai le temps libre ou quand je me fais chier, j'irai. Pourquoi pas, je sais pas, à voir, je vais en discuter avec le mec qui est à côté de moi là. Je sais pas qui c'est, il me fait peur. Moi, il y a personne à côté de moi donc je vois pas qui tu parles. Il me fait peur en plus. il est déguisé en pédobien en plus. Oui. Donc écoutez les gens, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas. J'ai dit n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine. Bougez, mec. Allez, salut, bye. Bye.